70 dinars. Donc vous comprenez pourquoi les charges qui vont diminuer. Nous avons réalisé à Skikda, nous avons réalisé à Yanni Ptiki Taha Koulchi, CAD, production nationale. Où est la SE que nous avons 5 000 à 6 000 tonnes. Mulkharij. 5 à 6 000 tonnes. Oui, oui. 5 à 6 000 tonnes de SE. Où que nous avons 50 000 tonnes de E. L'Ium, nous avons 4 600 tonnes de SE, production nationale. L'importation, le prix à l'importation à la pompe de terre, remise, le remis le producteur, ça dépend des variétés, bien sûr, de 50 à 180 dinars le kilo. L'Ium, on a mis la pompe de terre, même les établissements, soumettent à 60 dinars. Donc, je vous dis que nous avons 30 hectares pour l'octare, je vous dis que nous avons 30 hectares pour l'octare. Imaginez-vous, 30 quintaux à l'hectare, à 160, 70 dinars l'accord, ou de 60, et vous allez voir le gain substantiel des charges à l'hectare. Radir Fillah, il y a. Effectivement, les intermédiaires, Sarat Naf Sabak, où il y a une Shraou, Zerriant Talprimeur. Shraou Zerriant Talprimeur, Shraou. Où il y a des intermédiaires qui n'ont rien à voir avec la pompe de terre. Adam Draham, et donc, Shraou la pompe de terre, Mbad, ils voulaient qu'ils sortent comme ils voulaient. Il a fallu que le ministère de l'Agriculture soit dedans, avec l'établissement semencier, le Kenchfeu, Fouharan, Skikda, Alger, Kharjna al-Baata, ou Hersna al-Sog. Hersna al-Sog, Bach al-Baata, le consommateur, Arab Alaf. Nous allons créer une unité de recherche pour travailler sur les variétés. Les variétés adaptées. Les liquides de la ville, ou nous allons faire ça.